les garçons et la ville qui ne souriait plus. De David Bry. On peut pas voir avec, avec cette, ce magnifique fond vert. Alors attendez, je vais vous mettre. Ça va aller plus vite. Voilà, on va le voir comme ça. Paris, fin 19e. L'Église a imposé ses lois. Celle de la norme sous le règne de Nicéphore le IIIe. Les fous, les obèses, les boiteux, les difformes, les homosexuels, en somme, tous ceux considérés comme anormaux, sont relégués sur une île surnommée la Cour des Miracles. Romain, un garçon de bonne famille, fils du préfet de police, aime à s'y rendre en cachette la nuit. Il n'y a que là qu'il se sente lui-même, au vu du secret qu'il porte. Jusqu'au jour où il surprend une conversation et comprend que la Cour des Miracles est menacée de destruction et que ses habitants en seront au moins chassés. Commence alors une course contre la mort et l'obligation de s'accepter, enfin. Vous aurez deviné que c'est un livre qui est porteur d'un message de tolérance, etc., etc., et qui est très bien mené, c'est-à-dire que c'est pas du tout... ça sonne pas du tout moralisateur. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les descriptions des lieux, le Paris, ce Paris, voilà, fin 19e, tout ça, qui est, c'est vachement intéressant. C'est un peu c'est poétique quoi. Et franchement, en plus, comme je vous ai dit, j'ai lu un autre livre de David Bry qui se passe dans le futur et encore dans Paris, dans un Paris qui est détruit dans le futur à cause des guerres nucléaires, tout ça. Et ben là aussi, là encore, la façon de décrire alors que c'est une ville détruite, tout comme dans ce livre-là, hein, puisqu'on décrit l'île où il y a tous les anormaux, qui est complètement détruite, complètement ravagée, etc. Et elle nous paraît quand même, ça nous paraît quand même beau, en fait, parce que l'art de la description de David Bry est, comment dire, d'un niveau avancé. Vachement bien, et ça je le dis de toute façon à chaque retour de lecture quand j'ai aimé un livre, c'est que j'apprécie beaucoup qu'il y ait une bonne construction du groupe de personnages, c'est-à-dire qu'on se concentre pas seulement sur un seul personnage qui a tout, qui porte tout le livre. Non, là c'est vraiment l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ben, y a toute cette équipe de personnes qui sont des personnes très différentes et qui évoluent ensemble, et ça encore une fois c'est bien fait, bien articulé. Et c'est vraiment voilà un livre qui aborde des sujets importants par la douceur. De façon générale, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance et je trouve que David Bry le fait vraiment très très bien. Donc franchement, pour moi, aucun reproche, vraiment un très très bon moment, très bon divertissement. Je vous rappelle que les vidéos entières de tous les retours lecture et de toutes les sessions écriture sont sur ma chaîne Twitch que vous pouvez follow pour participer au live à tout moment. A plus !